Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers followers de CNCATCI, auditeurs, auditrices de Radio Alifa, bienvenue à la retransmission de la Wazifa régionale à Kumbodi. Nous sommes donc sur ce plateau avec le frère Samba Bufana, il est conservateur à la bibliothèque de la ville. Avec lui, nous allons échanger sur l'islam à Kumbodi, la pénétration, les différentes vagues visibles, l'imama à Kumbodi, mais également, nous allons ouvrir un pan de la culture de Kumbodi et de la chefferie également de Kumbodi, les différentes vagues d'immigration de la ville qui cohabitent pacifiquement avec le peuple de Kumbodi depuis des décennies. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah, frère. Alors, d'entrée de propos, la question qui me brûle les lèvres, c'est Kumbodi. Qu'est-ce que ça veut dire Kumbodi? Est-ce que c'est la bonne appellation Kumbodi? Alors, je ne sais pas si je peux dire que c'est par déformation linguistique, mais en fait, c'est pas Kumbodi, c'est Tundi, comme les autochtones le disent. D'autres disent Kumbodi, mais normalement, je crois que c'est Tundi qui est la vraie appellation de la ville. Alors, qui sont les autochtones qui vivent de la ville de Kumbodi? Alors, les autochtones, c'est les Baoulés. C'est les Baoulés, lorsqu'on regarde un peu la population, ils représentent 70% de la population. Mais ça, ce n'est pas tout à fait exact aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait exact aujourd'hui, parce qu'à côté de ce peuple autochtone, il y a d'autres peuples qui vivent ici. Il y a nos frères, il y a les Gourous, par exemple, les Sonoufo, des Bété, le groupe Malinké, et ainsi de suite. Mais à côté de ça aussi, il y a toute une communauté étrangère qui vit à Kumbodi. Il y a des Maliens, des Sénégalais, des Nigériens, des Nigérians, des Ghanéens. En tout cas, c'est tout un brassage ici. Alors, pour quelqu'un qui en ce moment précis est devant la carte de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il peut... Ah oui, d'accord. Quelqu'un qui est en train de pointer, qui est en train de regarder en ce moment la carte de la Côte d'Ivoire, où est-ce qu'il peut pointer le doigt pour préciser que Kumbodi se situe à tel endroit? Alors, la situation géographique de Kumbodi est très simple. Nous sommes situés entre la capitale politique et administrative qui est Yamoussoukro, à un peu moins de 40 km d'ici, et la capitale économique qui est Abidjan, à un peu moins de 200 km d'ici. D'accord. Quel est le statut administratif de la ville de Kumbodi? Kumbodi est une commune et elle a été créée par la loi numéro 7807 du 8 janvier 1978 portant création des communes de plein exercice. Le premier maire a été élu en 1980 et depuis les dernières élections municipales, c'est M. Kone Idriss qui est le cinquième maire de la commune de Kumbodi. Alors, quelles sont les grandes infrastructures de la ville de Kumbodi en termes de santé, de sécurité, de tourisme également? Quelles sont les infrastructures de la ville de Kumbodi? Alors, si on commence par la santé, il y a l'hôpital général. Ils sont appuyés par un groupement de sapeurs bénévoles qui sont là également. Et dans presque tous les villages, il y a des centres de santé intégrés. Et si même, pour délocaliser un peu, afin de faciliter les choses à la population, il y a un dispensaire qui est appelé le dispensaire de Djilapro, qui n'est pas loin d'ici, sur le plan santé. Sur le plan éducatif, il y a deux lycées publics. Il y a le lycée moderne 1, il y a le lycée Camille Ali Ali. Au lycée moderne 1, ils sont plus de 2000 élèves. Et plus de 1000 écoles, près de 2000 pour le lycée Camille Ali Ali. Et à côté de cela, il y a un institut supérieur. À côté de cet institut supérieur, on n'a pas moins de 50 écoles primaires et 2 écoles maternelles. Sur le plan de la sécurité, il y a un poste de police et une brigade de gendarmerie. D'accord. Au niveau de la chefferie, quelles sont les différentes chefs de communauté ici à Kumbodi? Alors, il y a effectivement des chefs de communauté. Quand vous allez par exemple chez ce qu'on appelle les Djula, ils ont un chef. Lorsque vous allez dans la communauté Mossi, ils ont leur Naba, ils ont leur chef. Lorsque vous allez chez les Yoruba, ils ont leur chef. Vous allez chez les Zemfou, pardon, ils ont leur chef. Et c'est ainsi que c'est structuré communauté par communauté. Tout à l'heure, sur le plan sécuritaire, j'ai parlé du commissariat de police. Mais je me souviens, lorsque le premier commissariat
a été ouvert, mais ils ont fait des mois, ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais vous avez demandé un commissariat de police, mais personne ne vient ici. Parce que la population avait l'habitude de gérer ces problèmes entre communautés. Personne n'allait au commissariat. Donc dans quelques instants, nous allons reprendre la suite de notre entretien avec le frère Samba Fofana, conservateur à la bibliothèque de Tchouké. A tout à l'heure. Merci. On va revenir à notre position initiale. Voilà ta place. Mais